3, 7, 9, Guélo les gens, c'est DJ sur son téléphone. Bienvenue à tous sur ce live Facebook. Aujourd'hui, je vous ai préparé une session spéciale buste, renforcement du haut du corps. Pour ceci, vous aurez besoin de quelques accessoires, dont le premier, un balai. Donc attention, si vous aviez l'intention de faire le ménage aujourd'hui, laissez tomber. Aujourd'hui, c'est séance de gym avec GG et son balai. Donc vous aurez besoin uniquement du manche. Donc je vous laisse démonter le balai comme il se doit, récupérer le bâton uniquement. Vous aurez besoin aussi de 2 sacs de course. Ensuite, 4 litres de lait. Donc ça peut être aussi des bouteilles d'eau, d'accord? Mais un chiffre pair, bien sûr. Et en option, une paire de baskets. Alors, tout premièrement, vous allez glisser les litres de lait. Bien sûr, les litres sont pleins, à ras-bord. Pas de bouteille vide. Donc les litres de lait dans les sacs. Donc 2 de chaque côté. Hop. Hop, on les met bien au milieu, bien au centre. Ensuite, vous allez prendre votre manche à balai. Vous allez le glisser dans les hanches, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Vous récupérez les baskets. Hop, on met une basket ici, dans le manche à balai, bien au bout. Vous rapprochez bien les hanches, proche des lacets. Et le premier tour de magie, il va falloir attacher les hanches avec votre nœud de lacet. Alors ici, un nœud classique, tic. Et on va même en faire 2, ça, ça va pas se sauver. Tac. Ensuite, important, vous glissez bien le bâton au fond de la basket, vous refaites un nœud en attachant cette fois-ci le bâton, d'accord? Donc un nœud classique, donc vous passez le lacet par-dessous, hop, et on attache tout ça. Un premier nœud, tac, je vais même en faire un deuxième pour être sûr de mon coup. Tac, ok, on fait la même manip de l'autre côté. Donc, le balai hop, dans les hanches, on prend la basket, on enfile le bâton dans la basket bien au fond. On va attacher avec les lacets d'abord les hanches. J'attache les hanches du sac, un premier nœud, tac, un deuxième, tac. Et ensuite, on remet le balai bien au fond de la basket, on passe par-dessous, on attache le balai. Check à tout ça et je vais en faire 2 pareil pour pas que ça se sauve. Boum, voilà, ok. Et là on a notre barre de pump. Voilà, vous pouvez tester, normalement c'est équilibré. Mettez bien le même nombre de bouteilles dans chaque sac. Et si on bascule la barre, hein, normalement ça tient. Ok, alors maintenant que le matériel est prêt, on va monter le son et on va attaquer la séance de renforcement buste. Alors, première étape, on va faire un échauffement. On va travailler trapèze, épaule. Et ensuite, on va accélérer les choses. On va faire quelques combinaisons d'exercices. Alors, je vous laisse vous placer. Ici, pieds écartés, largeur bassin. Les pieds parallèles, les jambes légèrement fléchies, les abdos serrés. Vous attrapez votre balai. Ici, vous écartez les bras, largeur épaule. Tout simplement, on va tirer les épaules vers le haut et les redescendre les bras le long du corps. Donc, je tire mes épaules vers mes oreilles en inspirant. Je redescends les bras le long du corps en soufflant. Allez, premier exercice, donc le shrug. J'inspire, je tire les épaules vers le plafond. J'expire, je redescends mes épaules. Voilà, les abdos bien serrés, les jambes pliées. Les bras sont tendus. Voilà, on fait glisser la barre le long des cuisses. Et attention, on reste en haut. 3 petits, 2, 1. On descend encore une fois. 3, 2, 1, et on descend sa barre. Inspire, monte. Expire, descend. 1, 2, 3. On passe à 2 séries de 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore une série de 7. Soufflez bien. Tirez bien avec vos épaules. Gardez les bras tendus. Ok, on relâche. Et là, on bloque. On contracte ses trapèzes au maximum. On respire, le ventre est serré, les jambes sont toujours pliées, on garde le sourire. Et on va faire un deuxième tour, relâchez votre trapèze, on y va, sur le rythme, je monte, je relâche. J'inspire, je souffle, encore, hop, hop. Allez, on garde le rythme. La suite, 4 x 3, 2 x 7, on reste en haut, 3, 2, 1, on abaisse les bras. 3, 2, 1, encore une fois. 3,
2, 1. Ok, dernière série 3. Et ensuite, on passe au 7. Tirez bien avec vos épaules. Vous allez commencer déjà à sentir la chaleur au niveau des trapèzes. 7 fois en haut les jambes avant de redescendre. Relâche. Encore une. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, tu décontractes. Et phase isométrique. Tu bloques, tu verrouilles tes épaules vers les oreilles. Les bras tendus, le ventre serré. Ne tendez pas les jambes. Gardez les jambes pliées. Respirez. Montez bien les épaules au maximum. Ok, on relâche. On va resserrer les mains. Les deux pouces en contact. Sans bras long du corps, en expirant. Vous êtes prêts? 5, 6, 7 sur 2, temps. 1, 2, redescend, expire. Inspire, redescend, expire. Sur 2 temps, je monte. 1, 2, je redescends. 3 et 4. 1, 2, on tire d'abord les coudes vers le plafond. On accélère. Allez, hop! Hop, c'est les coudes qui dirigent le mouvement. Je vais voir les coudes dirigés vers le plafond. Les mains sous le menton. D'accord? Les coudes doivent être au-dessus de la hauteur des épaules. Voilà, essayez de bien rapprocher les bras vers les oreilles. Encore une série comme ceci. 7. 6. 5. Gardez bien la barre le long du corps. 4. 3. 2. On va faire le même schéma. 4 x 3 et 2 x 7 en haut. On y va. 3. 2, 1, redescend encore. 3, 2, 1, redescend. Continue. 3, 2, 1, relâche. Tire bien les coudes. Hein. Tu vas avoir les coudes au-dessus. Encore 2 fois 7. 7, 6, 5, 4, 3. Approche bien les bras vers les oreilles. Allez, une dernière. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, relâche, prends une bonne inspiration et bloque. Allez, face statique, on verrouille, la barre à l'horizontale, les mains sous le menton, les coudes dirigés vers le plafond. On tient, et on va faire un deuxième tour. Allez, relâche, attention, deuxième tour, on repart tempo. Allez, 8, 7, 6, 5, tirez avec vos coudes et non avec vos mains. Encore, hop. Hop, on essaie de garder le rythme, hein, et le bâton bien à l'horizontale. 3 petits. 1, 2, 3. Relâche. Deuxième. Inspire, monte, tire les coudes. Redescends. La barre le prolonge le long du corps. 2, 3. Encore une fois. Ok, il reste 2 fois 7. Allez, on s'accroche. 7, 6. Vous devez bien sentir les trapèzes des épaules en action. Ok, dernière série de 7. 7, 6, 5. 4, la barre bien parallèle au sol. Ok, relâche un peu et tu bloques. Allez, on tient, on rapproche bien les bras vers les oreilles, on tire les coudes vers le plafond et on ventile, le ventre est serré, le nombril est aspiré à la colonne vertébrale, les jambes restent fléchies. 4, 3, 2 et on relâche. Ok, on va poser la barre, fléchissez vos jambes, on va changer la position des mains. On va détendre un peu les épaules et les trapèzes. On va localiser cette fois-ci l'effort sur les biceps. Donc, paume de main face à moi, les mains en supination. Coude collé au corps. Ici, lentement, monte. Monte, descend, descend. Encore. On monte, on expire. On emmène le balai aux épaules. On tend les bras, on expire. Encore. Voilà, gardez bien les coudes collés au corps. Le buste ne doit pas bouger. Hein. Attention à ne pas basculer en arrière. Continue comme ça, chacun à son rythme. Alors moi j'ai ralenti un peu parce que je sens que les litres de lait commencent à tanguer. Voilà, attention à ne pas aller trop vite. Hein. À ne pas casser le matériel. Bon, on va garder cette vitesse, on est pas mal. Et on essaie de se concentrer sur la contraction des biceps. Allez, ici vous bloquez au milieu, angle droit au niveau des coudes. Ne bougez pas, regardez. Les coudes sont collés au corps, les avant-bras parallèles au sol, un angle droit au niveau des coudes. On tient la position et là on va descendre légèrement et remonter. Légèrement et remonter. Voilà, allez, on souffle bien sans faire tanguer les sacs. Contrôlez votre mouvement. On ne va pas vite, on reste concentré sur les biceps. Contractez vos biceps pour monter légèrement la barre en expirant. Dépliez légèrement les bras en inspirant.
sans bouger votre buste, hein. Gainez bien votre dos, vos abdominaux. Voilà, très bien, ne changez rien. Ok, on déplie. Allez, on reprend le mouvement complet, on y va. Monte, monte, descend, descend, monte, monte, descend, descend, encore, monte, monte, descend, descend, monte, monte, on bloque au milieu et on bouge plus. Allez, on tient, on tient, on tient. Si vous sentez que le bâton se fait la malle avec les sacs, hein, reposez tout et emmanchez bien le bâton dans les baskets. Moi, je sens qu'il reste encore quelques centimètres et ça risque de tout basculer. Donc, je vais m'arrêter ici. Tenez encore. Coup de plié à angle droit. Allez, on verrouille bien les biceps. 4, 3, 2, et on relâche. Ok. On va remettre le matériel en place. Et malheureusement, j'ai une chose que du 42. Hein, du 54, ça aurait été pas mal. Ok. On reprend biceps et on enchaîne développé nuque. Donc ici, on se replace. Pied écarté, largeur, bassin. Toujours les mains en supination, c'est-à-dire face à moi. Ici, vous montez la barre aux épaules. Et tout doucement, on va lever les bras au-dessus de la tête. Ok. Les bras dans le prolongement du corps. On abaisse les mains aux épaules. Et on les ramène le long du corps, au niveau des cuisses. Allez, on y va doucement. 1 et 2. 1 et 2. Encore. Allez, biceps, mains aux épaules, développé nuque, tu expires, tu lèves les bras à la verticale. Prends le temps pour ne pas casser le matériel. Une bouteille de lait explosée sur le sol, ça risque d'être sympa. Hein. Si ça arrive, prends ton téléphone, tu m'envoies la photo. Voilà, montez bien la barre. À la verticale. Allez, encore. Très bien. Ok, attention. On garde la barre aux épaules. Et là, on lève direct. 1. Et on descend. 2. Et on descend. On essaie de bien garder la barre à l'horizontale pour pas que ça tombe. Hein. Allez, on se concentre. Voilà, expire, développe. Au-dessus de la tête. Inspire, redescend. Coup de collier au corps. Voilà, développé militaire. Allez, attention sans basculer le buste en arrière. Ah, j'ai oublié de te dire, mais c'est logique. Hein. Si tu trouves ça trop dur, tu décharges les sacs. T'enlèves une bouteille de chaque sac. Si c'est trop facile, t'en rajoutes. Pas de souci. Rajoute une bouteille de 2 litres dans chaque sac. Allez, encore. On tient. On tient. Ok, on reste en haut. On bloque, on verrouille, les bras à la verticale, aligné avec la tête, le buste, le bassin et les jambes. Et on maintient la respiration. 4, 3, 2, 1. Allez, 3 petits en haut. 1, 2, 3, on revient. 1, 2, 3, on revient. On reste 3 temps en haut. 1, 2, 3, on revient. 1, 2, 3, on reste 7 temps, 7, 6, 5, 4, 3, 2, redescend, encore 7 temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, on relâche, ok, fléchissez, tendez les bras, reposez les sacs, on remet le matériel comme il faut, moi ouais, ça a l'air de tenir, super, main en pronation, les paumes de main face à vos cuisses. Alors là, c'est peut-être le moment de décharger les sacs. On va faire quelques élévations frontales, donc beaucoup plus dures. Moi, je vais essayer de le faire avec mes 4 litres de lait. Hein, si ça va pas, bah, vous en enlevez 2. Si tout va bien, vous en rajoutez 2. C'est à vous de voir. Les jambes pliées, toujours écartées, largeur bassin, le ventre serré. On monte sur 2 temps, on monte les bras devant. 1, 2, et on descend. Tout doucement. Monte la barre à hauteur du front. Et redescend. Attention à ne pas basculer le buste en arrière. Encore. Très bien, encore 4 fois. La barre à hauteur du front si possible. Atteignez au moins le menton. Gardez les bras tendus. Super, encore. Alors pareil, hein, si vous avez du mal avec le bâton, vous prenez une bouteille dans chaque main et vous faites le même exercice. On s'adapte. Hein. Ouais, du coup, on en a rajouté quelques-unes. Allez, continue.
Ok. Allez, attention, je compte jusqu'à 6, on bloque en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on descend. Allez, deuxième fois, on y va, on bloque en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on redescend. Troisième et avant-dernière. 6, 5, 4, 3, 2, 1, on redescend. Ok, une dernière. 6, 5, 4, 3, 2, 1, on redescend. Ok, on fait une série jusqu'à 12. Ouais, je le sens bien. Allez, attention, concentration, je compte jusqu'à 12. Gainez bien, fléchissez bien les jambes, on y va. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, encore 4, courage, 3, 2, et 1, on relâche. Ok, super. Parfait. Allez, c'est pas terminé. On va maintenant défaire tous nos nœuds. Enlever le bâton. Récupérer 2 litres de lait. Hop. 1 litre dans chaque main. Et on va travailler les épaules. Deltoïde. Moyen. Donc pied écarté, largeur bassin, jambes fléchies. Vous attrapez vos litres de lait. Ici les coudes légèrement pliés. Et on va monter les bras de chaque côté. Allez, c'est parti. D'accord, comme le rowing, le tirage menton, c'est les coudes qui dirigent le mouvement. Donc je veux voir, regardez bien les coudes au-dessus des mains. Pas comme ceci, mais comme cela. On y va. Allez, coudes qui dirigent le mouvement. On tire les coudes vers le plafond, on inspire. On abaisse les bras, on les ramène le long du corps en expirant. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ok, on en fait 3 en haut. Allez, go. 1, 2, 3, même schéma. 4 fois 3, 2 fois 7. 1, 2, 3. Plus vous allez plier les coudes, plus ça va être facile. Donc à vous de jouer sur l'intensité que vous voulez. Encore une fois, 3, 2, 1. La série des 7, c'est parti. Il y en a 2, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Allez, plus qu'une, courage. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, ici, on continue, biceps. Allez, cette fois-ci, on va accélérer. Coude collé au corps. Deuxième partie du cours, on va combiner plusieurs mouvements pour essayer de brûler un maximum ce haut du corps. Voilà, donc regardez bien, les coudes ne bougent pas, les coudes sont collés au buste. Voilà, les paumes de main face à vous, on monte les mains, les litres de lait au niveau des épaules. Et on souffle, le buste reste bien droit, les jambes bien pliées. Voilà, gardez le rythme, soufflez bien, j'espère que vous avez bien fermé les bouchons de la bouteille. Hein, ne déconnez pas, hein, pas de bêtises, hein, pas de conneries. Et après, il faut faire le ménage, chacun. Allez, encore, 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 un bon rythme. Gardez bien les jambes fléchies, souples sur les appuis. Allez, on enchaîne le développé nuque, biceps développé nuque. Allez, on y va. 1, 2, 3 et 4, encore. 1, 2, 3 et 4. Je monte, j'expire. Hop, on, les deux bouteilles se rejoignent. Au-dessus de la tête, les bras à la verticale. Encore, 4 fois. Voilà, expirez bien lors de la montée, inspirez lors de la descente. Plus que 2 fois, allez, courage. Et on va reprendre ici, uniquement au-dessus de la tête, on garde les mains aux épaules, on en fait 8 à gauche. Allez, 8, 7, 6, 5, collez le bras à l'oreille, 4, 3, le bras bien à la verticale, 2, super, 1, on change de bras. Allez, l'autre côté, même chose. Le bras à la verticale, hop, 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 allez, gardez le rythme, hop, hop, et on redescend les bras, ici, on lève les bouteilles, on vient coller, toup, la tête de chaque bouteille l'une contre l'autre, et on va croiser, et 6, 5, 4, 3, 2, 1, on redescend, encore une fois, et 6, 5, 4, 3, 2, 1, on redescend. Ok, on en rajoute 2. Allez, expire, croise. Une bouteille au-dessus, une bouteille en dessous. Dernière série. Et 6, 5, 4, 3. Dernier mouvement. On va lever les bras tendus de chaque côté ici. Allez, tu tends les bras, tu fléchis les coudes, tu tends et tu abaisses. Extension. Allez, hop. Voilà, élévation des bras, élévation latérale, flexion des coudes pour emmener
les litres de lait au niveau des épaules, expansion des coudes pour revenir bras à l'horizontale, et on abaisse. Voilà, encore. Allez, 1, 2, 3, 4, super, continue. 1, 2, 3, et 4. 1, 2, 3, on reste tendu de chaque côté, on bloque, on tient, les bras bien parallèles au sol. Allez, c'est le dernier effort, courage. Apprends à faire un petit exercice de triceps, on s'arrêtera là. Flexion des coudes, extension, flexion, extension, flexion. Attention, on va en faire 16 et on arrête pour les épaules. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Allez, plus que 8. Dernière ligne droite, les gens chez vous, courage. Accrochez-vous. Voilà, tenez bien les bras à l'horizontale, gainez bien votre buste. Ah, il me semble qu'il en reste que 4 mouvements. 3, de sentir vos épaules, là, en feu les épaules. Et on relâche. Ok, décontracté. Hein, bon effort musculaire. Hein. On garde un litre. On le pose au sol. Hein. Ne le buvez pas. Hein. Alors ensuite, triceps. Ok, une main à la taille, ici. Vous fléchissez le bras gauche, vous emmenez votre litron au niveau des omoplates. Et on va simplement faire une extension du coude, d'accord, en soufflant. On y va? Allez, go! 1, 2, 3, 4, agrippez bien votre bouteille. 5, expirez, tendez le coude, gardez le bras collé à l'oreille ici. Ok, deuxième série de 8. 8, 7, attention à ne pas cambrer le dos, hein, on reste bien droit, ici, pas de courbure, gainez, fléchissez vos jambes, voilà, expirez, tendez le bras, ok, encore une série de 8, 8, fléchissez bien, 7, faut que la bouteille passe derrière la tête, le top entre les deux omoplates, ok, on continue, 4, 3, 2, attention, 4 fois 3, on reste, 1, 2, 3, pli, deuxième, 1, 2, 3, tu fléchis, encore, 1, 2, 3, tu fléchis, 1, 2, ok, on en refait 8 et on arrête, allez, 8, 7, 6, courage, 5, la pointe du coude tirée vers le plafond, les 4 derniers, allez, on s'accroche, le bras droit commence à être jaloux. Ok, relâchez. Très bien. Allez, change de côté. Hop. Détendez bien le bras gauche. Même position, pliez le coude droit. Placez la bouteille entre les omoplates. On est parti, 3 x 8. Première série. Serre le ventre. Aspire le nombril. Garde les jambes pliées. Redresse-toi. Encore, 4. 3. 2, rapproche bien le bras ici à l'oreille. Deuxième série. 8, 7, 6. C'est trop dur avec une bouteille d'un litre. Prenez une petite bouteille. Hein, mais tendez bien le bras au maximum. Fléchissez bien le coude pour que la main passe derrière la tête. Le top, c'est entre les omoplates. Encore 8, 7, 6. Je tends, j'expire. Je fléchis, j'inspire. 4, 3. 2, ok, super. 4 x 3, on y va. 1, 2, 3, on plie. 1, 2, 3, on fléchit, continue. 1, 2, 3, on fléchit. Ok, super. La dernière, allez, on la fait ensemble, on y va. 8 fois, tempo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, courage, et 1, on relâche. Ok. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez poser votre litre de lait. Ok. Allez, marchez un petit peu, buvez un coup. Ok. Bon, voilà, on a fait avec, avec ce qu'on avait. Hein. Donc, ce que je vous propose, c'est la prochaine fois, on va reprendre la séance avec le balai, les litrons de lait. Et on va orienter aussi le travail musculaire sur le bas du corps. On fera une séance générale. Alors,
Avant de se quitter, on va faire quelques étirements. Vous allez écarter les pieds largeur bassin, fléchir un petit peu les genoux, serrer le ventre, inspirer, lever les bras. Vous devez sentir vos bras un peu plus lourds qu'en début de séance. Expirez, descendez-les. Inspirez, grandissez-vous, levez les bras. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Soufflez, relâchez. Ok, gardez les bras au-dessus de la tête, serrez le ventre, montez sur l'avant des pieds, décollez les talons. On va chercher le plafond. On tire les épaules loin, loin derrière, sans cambrer le dos. On fléchit les jambes, on relâche. Ok, enroulez les épaules en arrière. Détendez les trapèzes. Très bien, levez les bras devant, inspirez. Essoufflez, relâchez. Inspirez. Essoufflez, relâchez. Inspirez, levez les bras. Poussez vos paumes de main face à moi, arrondissez le dos. Ici, vous allez rentrer le menton sur la poitrine, les épaules sur l'intérieur, écartez vos omoplates. Sans vous pencher en avant, hein, on arrondit simplement le dos. Vous poussez les paumes de main face à moi et le dos en arrière. On fait une opposition entre ses mains et son dos. On essaie de bien écarter les omoplates. Très bien, on se redresse, on ouvre les épaules et sans cambrer le dos, on va tirer les bras loin, 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 loin derrière. Regardez droit devant vous. Voilà, les bras sont tendus sur la ligne des épaules à l'horizontale. On souffle bien et on relâche. Ok, décontracté. La main gauche entre les omoplates. La main droite au niveau du coude. Toujours sans cambrer le dos, les jambes pliées, le ventre serré. On pousse le bras vers le sol. Allez, on essaie d'étirer, d'allonger les triceps. Voilà, ici l'arrière du bras. Soufflez bien. Restez droit. Ventilez un maximum. On va basculer sur le côté droit légèrement. Maintenant la position. Et on relâche. Ok. On enroule les épaules. Levez les bras. Inspirez. On va faire la même chose de l'autre côté avant de se quitter. Donc cette fois-ci, on fléchit le coude droit avec la main gauche. On place cette main sur le coude et on pousse le bras vers le sol. Le ventre bien serré, les jambes pliées. Restez bien droit, ventilez, fléchissez le buste sur le côté, légèrement. Et relâchez. Ok, décontractez, inspirez, levez les bras. Et soufflez. Ok, je crois qu'on est au point de dernière inspiration. Très bien, ben, je vous remercie, j'espère que cette séance spéciale manche à balai et litron de lait vous a plu. On se retrouve ce soir samedi à 20h avec notre partenaire Christ de White Event. Tous les samedis soirs à partir de 20h, on vous partage son live, il mixe pour vous. Donc en ce moment il fait beau, hein. Restez bien chez vous, c'est le moment de faire un apéro à la maison avec le mix de DJ Chris. En son par derrière. Donc n'oubliez pas aussi dimanche à 11h, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, c'est le jeu de loi version Tabata. Et puis maintenant on a pris le rythme, le lundi en général on fait de la Zumba, le mardi vous avez des Tabata, le mercredi c'est Strong, jeudi Elgo avec Loli, vendredi il y a du Pilates, du Stretch. N'hésitez pas à consulter tous les cours réguliers sur notre page Facebook Forme et Tendance. Je vous dis les amis, à très bientôt, peut-être à ce soir en apéro mix, en visio. Bonne journée, prenez soin de vous, ciao ciao.